Ouais, je fais une VOD. Bonjour à VOD. On teste la démo de Lies of P. J'oublie tous les noms des jeux en ce moment, ça m'énerve. Tous les noms de tout, tous les mots en fait. Je vais m'exprimer en onomatopée. Ce sera bien pour mon compte TikTok. C'est en français, tout à fait. Suivant. Non, je déconne. Oh, pas italien. Bon, d'accord, voilà, c'est cliné. HDR. Oui, non, bah oui. Je peux pas. Luminosité, c'est bien. Contraste, c'est bien. Jeu, c'est comme ça. Cette icône apparaît quand le jeu effectue une sauvegarde auto. Nous connaissons. Si vous quittez le jeu ou coupez l'alimentation durant la sauvegarde, certaines de vos données pourraient être corrompues. Ok. On va retourner au dojo sans forcer. Tu tentes quand même ? C'est dangereux, non ? On teste l'animal d'Animal Crossing. Ah, tout pareil, Antémonia. Tout pareil. Oula ! Allez, pour la démo, je vais lire en entier. Présent contrat de licence de l'utilisateur final, contrat de licence ou CLUF, contient des informations sur l'utilisation des jeux et des services connexes, services, fournis par NeoWiz. Veuillez donc lire attentivement avant de les utiliser. NeoWiz, si après nommé... C'est horrible. On fera une super blague pour un poisson d'avril ou une vidéo comme ça et où juste ce sera ma lecture. C'est très fort! Attendez, je vais baisser. Et je fais attention à bien prononcer le S de baisser. Ok. J'accepte. Bon, je vais laisser comme ça. Je vais peut-être me mettre à la manette. Peut-être plus chill. Ah, j'ai essayé le chat. Oh, je vais l'enlever. Ah, mais comme d'hab, je vais mettre 5 minutes avant de le retrouver. Non, c'est bon. Mince, j'ai pas le temps de dire. Il y avait une info importante. Je sais pas. In honor of the great writer Carlo. Can you hear me? Écrivain de Pinocchio? Tu pourrais mettre un défi sur les points de chaîne pour lire le CLF en entier. Oh non, quelle horreur! Marionnette de Gepetto, où es-tu? Marionnette, où es-tu? Non, c'est pas ça qu'elle a dit, mais je veux le temps de lire. Ah! Déjà, je joue. Ça, j'aime bien ça. Ça, vous voyez, le gameplay là tout de suite. Et on introduit le jeu tantôt. J'aime bien. Il me fait penser à l'acteur. Enfin, surtout, pas là dans le jeu, mais dans l'affiche, présentation du jeu. Il me fait penser à l'acteur qui a joué dans Dune et dont j'ai oublié le nom. Parce que j'oublie tous les noms. There you are. Je vous ai cherché partout. I've been looking all over for you. Edouard en main d'argent. Ah, j'avoue un petit côté Edouard en main d'argent. Ouais. En plus, il a une main d'argent. Edouard, elle a demi-main d'argent. Une main... Bah non, à la main d'argent, du coup. Bah oui. La moitié d'une paire de mains, c'est pas une demi-main. Ah. I see they got Jiminy too. But we have to hurry. Ils ont eu Jiminy. C'est Jiminy Cricket? My name is Sophia. Je m'appelle Sophia. Venez à l'hôtel Krat. J'expliquerai ce qui se passe. Jiminy, please escort him to the hotel. Jiminy, escortez-le à l'hôtel. Jusqu'à l'hôtel. Les grillons guides vous accompagnent toujours. D'accord, donc on a maintenant un grillon dans une cage accroché au petit cul du personnage. Ok. Timothée Chalamet. Putain, vous l'avez tous. C'est sûrement Timothée Chalamet. Je crois que j'ai jamais su son nom. J'aime beaucoup. Timothée Chalamet. Find something that might help. Je dirais que je parle une autre langue. Timothée Chalamet. Allez, je vais faire un sample. Timothée Chalamet. Timothée Chalamet. Timothée Chalamet.
Vous trouvez pas qu'il ressemble un petit peu à Timothée Chalamet? Ok, pardon. Et toi, la deuxième partie. Oh, la première partie, on a eu une très mauvaise expérience au ciné, du coup, bah, je regarde une mauvaise expérience du film alors qu'il était. Sympa. Les runes sont pas sûres, prenez l'une de ces armes. Solution américaine, du coup. Elle serait-il sur le chemin de l'hôtel? To the hotel. Voix du criquet, équilibre. Voix du bâtard. Oh, on va prendre la voix du tarba. Voix du balayeur, la force. Après, moi, j'aime bien les criquets. Il me donne faim, ce personnage. Il y a plein de blagues que je pourrais faire, mais je vais m'abstenir parce que c'est là il y a une VOD en cours. J'ai vu au Grand Rex, ça. Bah ça c'est bien. Moi je l'ai vu à Disney. Wouh! J'ai entendu un bruit de moteur dehors, ça m'a fait trop peur. Le bâtard direct. On prend... Moi je pense... Mais on peut pas savoir. Moi j'aimerais bien changer l'affichage. Ah oui, là c'est mieux. Style de combat équilibré, associé en puissance et vitesse. Oh c'est quelqu'un qui... C'est un neutre. Style de combat purement neutre. Je ne suis pas neutre. Style de combat rapide et agile qui vise les points faibles de l'ennemi. Ou style de combat lourd, fauche les ennemis en utilisant une grande force physique. Alors ça à la base j'aimais bien ce type de gameplay, mais maintenant j'aime bien avoir un perso avec un gameplay rapide. Tu sais la réacteur de Dune c'est qui déjà? Ah bah attends, moi je crois que je sais. Timothée Chalamet. Destination Hotel Krat. Je vous conseille de sortir d'ici. Ça sature un peu hein, ton micro. Je crois que tu as mal réglé sur Discord. On appelle ça faire une JDG ou une trapille dans le milieu. J'aurais dû mettre le gamin un peu plus élevé parce que ça me saoule. Moi je vois super mal à cause de mes lampes dans la gueule là. Dans la gueule. En tout cas c'est joli. C'est du trash talk, mais non, c'est pas du trash talk, c'est Timothée Chalamet. Ils sont trop stylés les mobs. Je sais pas du tout comment je joue, mais ils sont trop stylés. Ok. Attends. J'esquive comment? Parce que le jeu il m'a rien appris du tout. Ah non, pas comme ça. Ok, c'est B. C'est B pour rouler. Ok. Oh, petite... voilà. Hein. Sympatoche. Ok. B pour esquiver. Ah mais c'est écrit au-dessus, en garde. Le nom du prochain jeu qu'on va tester après. Ok, ça c'est la garde. Ça c'est... Comment je tape normalement? En fait là il essaye de prendre un truc. Punaise, il a la même animation que Link quand tu essayes de lui prendre une arme et qu'en fait il l'a pas. Il tapote puis il regarde sa main en mode j'ai rien. Tout pareil. J'aime bien. La gare crack. Ici, vous assistez au plus grand spectacle de l'activité humaine sur Terre. C'est votre destination finale. Ah, sympa. Passez votre séjour prospère sans danger. Nickel. Ça fait penser aussi à un univers un peu à la nom d'un jeu que j'ai oublié. Voilà. Insérer le nom d'un jeu dont j'ai oublié le nom. Un jeu où on souriait tout le temps. La description. J'ai l'impression d'être ébou. Un jeu en fait où on était dans une sorte de Londres dystopique où les personnages devaient sourire en permanence et on prenait des gélules pour sourire en permanence et on a suivi l'histoire de trois happy personnages. Few. Ah oui, Happy Few. Voilà, merci. GG le clip. Merci pour le clip, je regarderai. Le nom du personnage. Ça fait penser à Shawarma. Ah, j'ai déjà entendu ce nom aussi. Ça me donne faim. C'est qui te donne faim? C'est Timothée Chalamet. Heureusement qu'il y a Royal pour aider à se souvenir des noms de jeux. Hein. Et dire que c'est moi qui suis censé avoir une meilleure mémoire de nous deux. Si j'ai plus ça, franchement, j'ai plus aucune qualité. Au bout d'un moment, il va falloir que je me réveille. Utilisez un accumulateur de pulsations pour augmenter vos PV.
Vous ne pouvez utiliser l'accumulateur de pulsations qu'un certain nombre de fois. Une fois cette limite atteinte, l'accumulateur sera déchargé. Attaquer un ennemi lorsque l'accumulateur est déchargé pour le recharger. Ah d'accord, ok, je vois très bien. Une barre d'ulti en fait un peu, non? Rien à voir. Je pense rien à voir en fait. Oh, il a l'air balèze lui. Cette ambiance est super classe. Ok, je pars, je on garde. Ah, je sais pas s'il y a un timing parfait à avoir ou pas. Non, derrière toi mec, derrière toi, je te promets c'est derrière toi, c'est pas... Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a visé parfaite? Enfin, j'ai pas compris, j'ai vraiment tapé en face de moi. Il y avait les deux mobs et tout. Mais mon épée, elle a réussi à les traverser. Enfin, j'ai peut-être mal vu après, je suis bizarre. Devil May Cry like, si je comprends. Ah, like, c'est un beat'em all quoi, du coup. Dans le style. Ce Devil May Cry, c'est un peu du beat'em all quoi. Mais pourquoi il recule à chaque fois que je tape? C'est quoi la touche pour taper? Regardez, il recule à chaque fois. Eh, assume un peu, mec. Assume que tu mets des coups là. Regardez à chaque fois qu'il. Mais des coups? Mais ça saoule! Ah! Attendez. C'est comme ça un coup chargé, ok. Allez, mets des coups. Je comprends pas, c'est quoi la touche pour vraiment taper? J'ai l'impression de faire que des coups spéciaux, mais jamais le coup normal. Ah, non, X. J'ai fait un truc. Ça, ça, ça. Oh, c'est peut-être ça. Oh, c'est ça le coup normal. Voilà. Mais cette... Ah, et oui, c'est ça, on garde. Ok, 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 ok. Mais cette fâcheuse tendance à mettre maintenant un coup pour frapper au niveau de cette gâchette-là, et ben moi, ça me saoule parce que je trouve que c'est pas la bonne gâchette. C'est Pinoche? Presque. Pinocchio? Oui. Pourquoi cet autocorrect? D'où c'est un mot Pinoche? Écoute, arrête de pinocher sur le mot, Tom. Eh, tu sais comment il s'appelle l'acteur? Timothée Chalamet. Non, l'acteur en plus, l'acteur qui ressemble à lui. Je veux vraiment pas de contexte à mes phrases. Hey, tu sais comment ça s'appelle? Bleu. Je suis pas rebou pourtant. Mais c'est vraiment Timothée Chalamet. J'ai rien compris. Ouais, désolé. Je sais pas ce qu'il va. Hop là, j'ai paré. Paré, paré, combien paré, tout ce que tu veux. Boulevard des bouleversés, paré, je l'ai renversé, paré, je l'ai buté. Très grave, arrêtez. Vous, le reste du chat, vous avez compris, c'est juste qu'il n'avait pas de contexte. C'est tout. Il n'y a pas que du holly dans sa gourde. Je sais pas. Non mais c'est la fatigue, j'ai encore peu dormi. Mais ça va, c'est ok en vrai. Coucou. Coucou Moglobin Dark. Liax et Moglobin Dark. C'est quoi l'acteur de Thune? C'est comment déjà? Timothée Chalamet. J'adore ce simple. Oh non mais en fait je cache des infos là. Je vais me foutre ailleurs moi. Attendez, je cache des infos. Voilà. Est-ce que ce serait pas un côté un petit peu... L'interface perso, ça me fait penser à Elden un peu. Enfin du coup à un Souls un peu. Moi je trouve hein. Moi je trouve, et les commandes un peu aussi hein. Moi je trouve. Après s'il n'y a pas là, le côté trop frustrant d'Elden, ça peut me plaire. Il y a une ref que j'ai pas avec cette réflexion de Chalamet ou bien... Oui, c'est juste que je disais que, le personnage me faisait penser à l'acteur de Dune. Et du coup, j'avais pas le nom. Dans le chat, ils ont été plusieurs à mettre Timothée Chalamet. Et en fait, je connaissais pas son nom et ça me faisait rire de le prononcer. Alors du coup j'ai fait un sample qui dit Timothée Chalamet. J'aurais pas dû l'expliquer, ça désamorce absolument tout.
Par contre, on peut pas viser. Et si, on peut viser avec quoi? Avec ça. Parce que c'est exactement les touches d'un Souls, en fait. Bon, c'est au moins, on a les mêmes habitudes. Par contre, la visée, ça va pas. Trop de sensibles. Je suis trop sensible. Ma vision est trop sensible. Je vais baisser ça. Caméra. Je sais pas si ça a changé trop. Le clip est pas clair non plus, si t'étais pas là, t'as zéro contexte. Mais y'a pas besoin de contexte, putain, t'inquiète là. En Bulgarie, Uber Eats et Deliveroo n'existent pas encore, s'il te plaît, arrête de dire shawarma. Je dis pas shawarma, je dis shawarma. Ah, j'avoue que ça ressemble un peu. Je savais pas t'habiter en Bulgarie. C'est stylé, je suis... J'ai une commune à travers le monde. J'ai pas d'ajouter des clips dans le best-of. Exactement. Non, les clips là, ça va être pour le TikTok. Mais j'essaierai à chaque fois de faire des montages un petit peu et tout. Déjà pour rendre ça plus dynamique et pour rajouter du contexte ou garder vraiment que ce qui est intéressant. On verra, on verra. J'essaierai. Faut cette lettre. Ah, une lettre. Avec une grosse épée, il a géchant Pinoche. C'est trop bien Pinoche en vrai, je préfère que Pinocchio. Le Pinoche avec ses haches. Fragment d'ergo faible. Je suis Pinoche. Je cherche GPTax. Dans un monde cyberpunk, Pinoche cherche GPTax. Il rencontrera Jiminy the Crackhead sur son chemin. Ah, punaise, on peut trop faire. On peut faire un lore cyberpunk. C'est qui ce jeu? J'ai vu Hemoglobin Dark qui lâche un PTDR, t'es qui au jeu? C'est The Lies of P. Rien à voir avec l'urine. Retire 8 secondes de Will, y'a le Dinawak. Pas plus que d'hab. Tu vois, en vrai, c'est pas si pire. Hein. Juste pas si pire. Non, mais c'est vrai, ce serait bien. Un monde cyberpunk. Pinoche cherche GPTax. Dans les rues. De... Ah, je sais pas où c'est, où ça se passe, Pinocchio. Sur sa route, il croisa Jim. Oula. Jiminy the Crackhead. Ils partagèrent de la MDMA. MDMA, c'est bien une drogue, hein. C'est le MMA. Pardon. Fatigué. MDMA pour vaincre les méchants. Ah oui, c'est vrai, il y a une baleine dans Pinocchio. Ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps. Je devrais aller au lit au lieu d'en boire. Ah, c'est toi, le en boire. Ah, j'ai foirax. Ah, la vache. Ouh, je vais esquiver. Ouais, c'est complètement un Souls, en fait. Je savais pas. Je l'ai pris. Je peux faire LB plus Y. C'est quoi LV? C'est quoi Y? Ok, super. C'était un joli effet. Ah ah. C'est en Italie. Oui, non, mais il y a une ville en particulier ou quoi?
C'est toi le hambourg. Oui. Je me demandais s'il n'y avait pas, je sais pas, un nom de ville inventé dans Pinocchio, un truc comme ça. Ça pourrait être n'importe où. Mais non, des fois c'est important, hein. Des fois, contexte, tout ça. Oh, l'enchaînement. Tout mes clips à la seconde, elle est trop en roue libre. Mais je ne suis pas en roue libre, je suis en stream déjà. Sur Lux Télévision, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre prime, à follow. Et surtout, je suis inspirée par le jeu. Grande exposition de 1800XX. 18XX. Ça fait beaucoup de porno. Attends, pareil. Voilà, j'ai pas du tout, mais c'est pas grave. C'est chiant du coup, à chaque fois je vais être obligée de me les repartir là. Tu veux même transformer Collodi en Couilleville. Ah non, j'aurais pensé à autre chose. En original, c'est Collodi. Dans le nord de la Toscane. Eh ben, tu vois, rien que de savoir cette information, je me sens bien. Non, je ferai pas de jeu de mots. Parce que j'ai mûri depuis le début de ce stream. Attends. Attends, là je fais ça. En fait, c'est pas mais c'est bien. Ensuite, toi, t'es là. Ok. Ça, ce coup, il faut que je le fasse au boss. Comme ça, je recule juste après. Et avoir mis un coup comme... comme une petite flippette, en fait. Et ça me plaît bien. Le petit coup, et puis partir en courant, moi, c'est bien ma technique, ça. Ah, lorsque vous êtes derrière. Attends. Coup de grâce. C'était quoi la touche? Pas du tout, hein. Ça a pas du tout marché. Ah si! Pourquoi le premier n'était pas un coup de grâce? C'est du nul! Comment je m'accroupite? Nice, je veux pas du tout faire ça. Mais ça, c'est des popos de son? Pas du tout. Il monte son petit cul, la marionnette, quand elle veut me taper. Elle se retourne littéralement et elle se met comme ça. L'acteur dans Dune, c'est comment déjà? Timothée Chalamet. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions. Pour le, à propos d'un sujet très précis, quand même. Attendez. B plus L. Yaaaaaah! C'est juste courir, en fait. J'ai juste couru. C'est pas dingue, hein. Ok, alors attendez. Équiper des objets et gestes sur la ceinture pour les utiliser. Oui, tout à fait. Maintenir pour activer le sac supplémentaire. Mais oui, non mais c'est bon. J'ai joué à Skyrim. Non ouais, c'est quoi ça par contre? C'est quoi cet objet? Je l'ai pas testé encore. Bon, c'est sympa, hein. Aucune idée de ce que je fais. Ah, je répare mon épée peut-être. On dirait un peu. On dirait un peu. J'oublie la touche pour voir tout ce que je vis dans mon inventaire. Ah, ça c'est Jiminy's. Attendez, on va use Jiminy's. Mais c'est malin, mais c'est tellement... Mais oui, non mais d'accord. C'est bon, allez, j'arrête de dire que c'est tellement un Souls. On l'a compris, mais quand même. En vrai, l'univers est sympa. Mais j'espère que ce sera moins dur. Sinon, flemme. Hein. Flemme de refaire un. Hein. Moi, je suis pas Souls. Hein. Après, l'esthétique est classe, quand même.
Le plus celle. J'ai bien lu ton commentaire, Endémonia. Ça livre à pile. Ok, là je mets mon petit coup, je recule et hop. Oh ça va, je recule beaucoup là. Oui, là je spam. Ow. Oh, attendez, X, ça me donne la vie? Oui c'est ça, c'était ma popo en fait, c'est juste une popo. Je sais pas pourquoi j'ai cherché un truc plus compliqué. Mais parce que c'était mal expliqué, il pouvait pas dire ça te heal dude, appuie sur cette touche. Il faut le recharger. Non, fallait qu'ils disent alors, oui, le flacon de cristallisation de mon petit fion, c'est bien, hein. C'est X. Ok. Accumulateur de pulsation déchargé, voilà, ils appellent ça un accumulateur de pulsation. C'est une... c'est une popo. D'un moment. Lost Ergo Recovery. Clé de l'entrée principale de la gare centrale. Et ossature de je sais pas quoi. C'est super. Ça va Trapule ? Eh Trapule ? Tu connais le nom de l'acteur dans le film Dune, qui est sorti il y a pas longtemps ? But ce boss, c'est pas, on a pas que ça à faire. Oulalalala. Oulalalala. C'est pas faux. Pas que ça à faire en vrai. Un jeu que je ne ferai pas, test validé. Merci d'avoir testé pour moi, je t'en prie. Oui, effectivement. Moi, cet univers me plaît. Je voudrais juste que ce soit moins dur qu'un Souls. Parce que ça ne m'amuse pas. Ça, au bout d'un moment, même si en vrai, Elden Ring, je suis allée quand même très loin. C'est quand même pas fini. Je suis allée presque au bout. Mais je l'ai pas fini. Hello, Yuni! Comment ça va, Yuni? Ça fait plaisir de te voir, toi. Ah, est-ce qu'on peut avoir un shoot-out pour Chaotic Yuni? Dune, je connais celui des années 90. Best jeu à l'époque. Le jeu des années 90? Ok. Eh ben, il y a un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps avec un acteur qui ressemble beaucoup à lui. Et l'acteur, il s'appelle Timothée Chalamet. Et juste moi j'aime bien son nom en fait, je l'ai appris aujourd'hui. J'avais pas capté que ce serait un Souls dans la mini présentation, bah moi non plus. Acteur de Dune, c'est comment déjà? Bah, Timothée Chalamet. merci beaucoup pour le shout-out. Oui ça va, on teste un petit peu des petites démos. Et voilà quoi. Et toi tu joues à quoi en ce moment, Yuni? N'hésitez pas à passer à la voir, c'est la copine nocturne. Bon évidemment. Vu qu'elle est outre-Atlantique, si vous êtes en pleine nuit ou en matinée sur Twitch, et ben vous pourrez aller sur son contenu. Utilisez le Stargazer pour restaurer la totalité des PV. Ouais d'accord, c'est une... comment on appelle ça? Les trucs sacrés là, je ne sais plus quoi. Ah, c'est vraiment totalement... Je pensais pas vraiment à ce point là. Testé ce démo hier, alors t'en as pensé quoi? Je savais pas que c'était ce style de jeu, ce style de gameplay. Quantité de marionnettes dépasse le niveau de danger. Veuillez réduire la quantité de marionnettes ou réinitialiser les paramètres de danger. Ah mais c'est Jiminy qui parle comme ça. Mais Jiminy en fait c'est un robot. Non mais je suis nulle. Mais c'est un... comme je dis hein, c'est vraiment un Souls dans tous ses aspects, donc ça veut dire jeu dur hein. Stargazer will make you stronger. But the Stargazer's strength doesn't last forever.
Déception, le film correspond jamais. Par rapport à Dune, t'as été déçu du nouveau. J'œuvre dur. Non, jeu dur. C'est des jeux durs, pas des jeufs durs, ça veut rien dire. Et puis comment t'écris ça? Et puis merde. Hein? Eh, Sam, Timothée Chalamet, d'accord? Ah! Ah, la va! Oh, ils sont 40! Ils arrivent pas à se... voilà. Mais j'ai, par contre les mobs, qu'est-ce que je trouve stylax, le côté marionnette comme ça, c'est extrêmement flippant, extrêmement sympa. Ça fait un style de fou. Un bel open world comme on peut le constater. Bon, ce sera pas un open world, mais il est pas vendu comme ça de toute façon. Ça me fait rire, c'est la strat de mettre des débris pour pas que tu puisses passer. Genre un cadavre de cheval. Faites une belle soirée à tous et toutes. Des bisous cash, bon courage. Concours de t-shirt ensanglanté. Oui, la chemise a changé de couleur parce que j'étais sur le feu de camp et ça réinitialise un peu tout. Chalamet, son gros chat du mot. Mince, j'ai pas lu. Qu'est-ce que ça disait? Oh, le chat me déconcentre trop, hein. Il y a une bestiole sur ma lampe. Je sais pas où que dois-je aller. Je vais regarder si j'ai un objectif. J'arrive pas à faire... mais je peux pas m'accroupir en fait. C'est pas la grosse différence. Avec Alden. Vous pouvez s'accroupir dans Alden? Oui hein. Je crois. Et du coup... Et bah j'arrive pas à arriver discrètement dans le dos du mob pour le tuer. Ça me fait jamais un coup de grâce, ça fait un coup normal. Voilà, là ça en fait un, mais je sais pas, je comprends pas. Peut-être qu'il faut que je l'amoche un peu avant. Mais je récupère ça, mais ça me sert à rien. Roue à dents de scie. Je vais sur la ceinture. Ah oui, d'accord, ok, c'est bien. Ok, ok. Et ensuite. Je répands mon épée, je crois. Qu'est-ce que ça fait? Ensuite, j'allume Jiminis. Ah non, je l'éteins. Je rallume Jiminis. Un coup de crasse. Coup de crasse. T'as la belle ça. T'as la belge. Un coup de grâce, un coup de crasse. La moche, mais je sais même pas à quoi tu fais référence, Sam. J'ai oublié déjà ce que j'ai dit. Hein. Je vais où? Ah, on va aller par là. Je le sens bien par là. Oh, il y a des archers. J'avais enchaîné! Ah, mais je suis un peu dans la sauce. J'ai pas de truc à distance, moi. Bah non. Bon, je vais tourner un peu. Je vais prendre ça, c'est important. Quoi? Je m'arrave. Est-ce que je peux escalader? Non. Est-ce que je peux. Je me tire. Ok, je me tire. Vous savez que j'ai un bras en acier? Il me sert à feuille. Hein. Ah! Moi, quand je veux éviter un mob, j'esquive parfaitement dedans. Du coup, il sait plus quoi faire. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fout? Du coup, je suis en vie. Toujours ranger l'épée dans le cul. C'est vrai? J'ai même pas fait gaffe quand il range son épée? J'ai utilisé tout mon ulti, je suis dégoûtée. Bah c'est tant pis hein. C'est tant pis en fait.
Chers habitants de... Ah. T'as vu, Trappy, il règle aussi bien le micro que toi. Utilisez les arts de fable de la lame. Eh, c'est... Les arts de fable changent selon chaque lame. Les poignées d'armes. Les arts de fable utilisent les emplacements de fable. Je peux avoir des termes normaux. Les différents arts de fable utilisent un nombre différent d'emplacements. Chargez les emplacements de fable en attaquant les ennemis. Donc c'est truc bleu. Franchement, dites le mot ulti au bout d'un moment. Trop flippant lui. Bon, l'heure que je t'y fion. Esquive. Catalyseur de fable. Ok, c'est sympa, mais... Ok. Ah ben là, il y en a un autre. Je vais pouvoir recharger mes trucs. J'ai aucune idée de par où je vais aller. Mais... Est-ce que je peux... Ah, je savais que j'arriverais pas à esquiver ça. Impeccable, un vrai professionnel de la gestion de micro. Tu veux de l'aide? Je peux te donner des cours. Oui, je sais, Trapide, effectivement. C'est ça peut être intéressant. Tu m'en donnes finalement à chaque multicredit des cours. Garantie du résultat, bien sûr. Attaque chargée, ok. Ok. Mais je veux savoir par où je dois aller. J'aime pas. En fait, ça me saoule, par contre, j'aime pas. Dans les jeux, ne jamais savoir où je dois aller. Je sais que la fois où j'avais joué à Dark Souls, c'était un peu... J'avais un peu cette sensation. Ce que j'avais beaucoup moins dans Elden, parce que c'est un open world, donc c'est un peu en mode tu vas où tu veux finalement. Et bah si c'est si les levels sont beaucoup trop élevés, c'est que c'est pas bon. Là, bah c'est plus, encore une fois, un peu labyrinthique, et ça, je n'aime pas du tout. Ah, faut que je vois, ok, j'ai compris ce qu'il doit apparaître pour que je puisse faire mon coup de grâce. Ah ouais, j'ai peut-être une map, attends. Sac. Effectuez le geste, observez le sol. D'accord. Allez, je vais là. Ah mais là il y a le tireur fou. Ok, je m'en vais. Ah c'est bon, je loot automatiquement les trucs bleus. Je peux plus vous inquiéter sans danger la situation. Ok. Je vais aller par là, mais là-bas je pense que je pourrais pas y aller de toute façon, mais je vais prendre le truc. Mais j'ai pas de map. J'aime pas quand j'ai pas de map. Tu nous as manqué. N'hésite pas à passer ton message à la radio et à dédicacer tes amis ou ta chérie
Grâce à la LOX Télévision. J'ai pas d'ulti en fait. Mais ça sert à rien ce que je fais. Attends, pause, pause. Je suis dans un cul-de-sac. Dégage, pause. J'essaie de faire le... Bon, je vais essayer avec un autre mob. Pas mal ça comme dédicace aussi. Directeur dans Dune, c'est quoi son nom déjà? Timothée Chalamet. N'hésite pas, à ton service, hein, c'est à ton service, tu veux le réentendre? Timothée Chalamet. Ça va bien? C'est l'acteur dans Dune, comment c'est déjà? Ah bah, Timothée Chalamet. Je veux pas sauter, j'ai un perso qui n'a pas de genoux. C'est depuis le début. M'en doutez pas un peu. J'esquive, j'ai plus tendu. Attends, je te démarre. Voilà, je te démarre là. C'est quoi ça? Récupérer l'ergot de la mort. Ah. Oh non, mais il y avait écrit Y utiliser les arts de la fable et à chaque fois ça me dit un moment où je dois pas me battre alors du coup ça me sert à rien, bordel de. Ok. Non. Non, non, non. On va changer. On va faire ça et on va faire ça. Je sais pas à quoi ça sert, hein, mais je suis sûr que c'est bien. Ouh, du loot. J'adore ça. Outil de réparation du chance du Vénigny. Du Vénigny. Bon, ça a l'air d'être par là, hein, on est bien là. Oh! Je voulais tuer le dogo par surprise. Mais si je peux pas sauter, c'est chiant. Ça veut dire que tous ces passages-là... Je peux pas passer. Je peux pas passer dans le passage. Ça me dépasse. Ok, j'ai compris. Alors par là. Oh, je peux ouvrir ça. Incroyable, je savais pas. La suite de Lies of P. C'est Lies of P. Pourquoi il y en avait deux? Il y en avait déjà un. Je sais pas, ça s'appelle juste Lies of P, non? Ça s'appelle pas Lies of P 2? Non. Non, ça m'aurait marqué. C'est le nom d'un centre commercial que j'ai fréquenté longtemps dans ma vie. Oh toi! Tu m'as tué! Oh non, je vais devoir faire le tour. Bah non. Bah si. Ah bah non. Non, ça va en fait. Lies of P, effectivement. Effectivement. And that's the only way in. Ah! So please. Oh, c'est un mob. Ah, c'est rigolo ça. Ah, c'est pour. Oh, il m'arrave. Coucou. Coucou, Fernaldu. Oh, un vendeur. Hello there. Welcome to Crot. Oula, la sensi.
I didn't think there were any stalkers left to fight the puppets. On sait qu'il restera des rôdeurs pour combattre des marionnettes, venez de peu au courant. L'organisation s'est effondrée. Il n'y a plus que des novices qui croivent qu'ils peuvent voler leur propres ailes. Oui, il va acheter quelque chose. Lies of... Infernal Angelus, tu trouves pas que l'acteur, il ressemble à l'acteur de Dune, le nouveau film? Un peu, hein. Chut, attendez, attendez. Disais rien. Quel acteur? Ah bah, Timothée Chalamet. Merci de demander, Yuni. Elle est trop bien. Oui, j'avoue. Sa tête, putain. Écoutez, je vis pour ces moments. Oh, le boss. Je prends un soin. Ça fait une tuite prendre un soin. C'est ballot pourtant. Mourir en allant à la pharmacie, c'est drôlement cocasse. Je me casse. J'ai raté. Non. Il m'a saisi. J'ai esquivé, j'ai fait une parfaite esquive là. Je peux peut-être parer. Ouais, je vais essayer de parer. Vintage, pas ville. J'ai eu peur qu'il me tue. C'était une peur. C'était une peur justifiée, hein, du coup. C'est... J'ai dit, à la fin de ma phrase, j'avais peur qu'il me tue, je suis morte. L'ergot de mort apparaîtra à l'entrée de la zone. Ah oui, c'est vrai, faut que je récupère mes... faut que je récupère mes gemmes. Ah ! Mais c'était où déjà ? Là, on n'a pas de map, c'est très chiant. Alors d'accord, it's not an open world. But it's tout de même the world. Enfin bref, c'est quand même grand. Non mais j'ai fait n'importe quoi, je sais même pas par où je dois passer. Arrête. Un raccourci ? Oh mais je le vois pas, mais je sais pas où il est. Ah oui, j'ai ouvert une porte. Bon. Donc je trouve le raccourci. I need to find the raccourci. Utiliser l'objet. Quoi encore? Différents objets de jet en jouant. C'est difficile à dire. Obtenez différents objets de jet en jouant. Obtenez différents objets de jet en jouant. Jet en jouant.
jouis en Josas. Vous pouvez attaquer des ennemis à distance ou lancer un objet pour attirer leur attention. Ah ! Différentes techniques pour attaquer vos ennemis. Ouais, le genre d'objet que j'ai jamais utilisé dans Elden. Ouais, je vois tout à fait. Ouais, je vois tout à fait. Tout à fait, le genre de truc que j'ai jamais fait. Il faut obtenir des jeux en jouant. Attends! Vous savez que ça ressemble au gameplay de la démo qu'on va faire juste après? À savoir en garde. C'est où le shortcut? Il est où le raccourci? Replace. Ah ouais, bah oui, du coup j'ai perdu les poings. Mais c'est pas grave, c'est qu'une démo. C'est pas grave. Puis de toute façon, j'ai joué à Elden. J'ai l'habitude de perdre. Arrête! Arrête de te tuer! De toute façon, je te tue quand même. Loser. Arrêtez d'esquiver dans tous les sens. Mais il est où? Il est où le raccourci? Moi je vois pas de raccourci hein. Toi t'en avais un, Yuni? Et bim. Est-ce que là-bas c'est un raccourci ça? Non je pense pas, je pense que ce sera bien fermé non? Ouvrir la porte. Ouais, mais je sais plus où j'étais. J'ai déjà oublié ce que j'ai fait il y a 28 secondes. Ah! Je vais spammer. Voilà, je vais faire que la même touche tout le temps. Et là, on va s'amuser, hein. Hein, le jeu. Je reviens là où j'étais. On peut pas sauter. Seulement on avait des genoux. Ok, je reviens là. Ah, genre en haut à droite, c'est ça? Oh, si c'est ça. Ah, c'est mes gemmes. Bah j'en avais pas, je crois. Hein. Mais pas trop, hein. Non, mes gemmes. Récupère-les, s'il te plaît. Ah oui, voilà. Ah, ici. Ok. Ok. Y'a pas un petit feu sacré là, pas loin? Ah oui, je vois. J'ai plus de vie déjà. Ça va être bien. Et ça, on est d'accord que... Non. Rallume-toi, Jimniz. Ça, on est d'accord que ça sert bien à réparer mon épée. Regardez avant le boss. Mais j'ai pas... C'est ce que je viens de faire, Stargazénon. C'est quoi déjà? Mais y a pas un... Ah non, Stargazer, c'est l'endroit où je sauvegarde, c'est ça? Oh, j'ai pas le vocabulaire du jeu encore. J'étais à côté en fait. Ah ouais? Mais où? Attends, je vais chercher. Coordonne des popos, ouais bah ouais. Peut-être que... Non. Alors là, si je vais là, c'est le boss. Oui, ça, c'est vraiment Elden. Peut-être par là. Mais moi, je vois pas. Après, je sais peut-être pas comment les repérer bien. Ah, en bas. C'est quoi ça? C'est de la lumière. Ah, avant le shortcut. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est le point d'où on vient. Bon, c'est vrai que je suis pas loin, donc je vais le faire. T'as raison. Maintenant que je sais où c'est. Non, je pensais qu'il y avait un autre point, genre juste avant le boss que j'avais pas vu. Montée de niveau. Je vais prendre de la piqueur. Et je vais prendre de la progression, je sais pas ce que c'est. Légion. Technique, attaque physique. Vigueur, vitalité, bien sûr.
Let's go. Utiliser le stockage. Non, on va juste me saouler. On va faire du boss là. Ça m'a redonné mes popos. Ouais. Maintenant, faut que je fasse attention à pas mourir. Il m'a tellement frôlé le dos, lui. Et j'arrête le backseat. Ça va, sur une démo, ça va. Is ok. Un martien. Bonne nuit, petit Grease Lion. Des zoupies. Bon, on tente le boss. Là, j'ai tout. Là, je suis bien. Là, je suis au poil, là. Qui, comment il s'appelle? Putain, j'ai aucun nom. Je vais. Franchement. Professeur Robotnik, la tête. Le fait qu'il soit un peu. Qu'il ait un peu l'air d'un robot en fait. Forcément faire un combo. J'ose pas, voilà, je me doute qu'il peut régénérer en fait. Là-bas, on voit dans la barre rouge qu'il y a de la vie qui est enlevée, mais pas tout à fait. Elle est encore un petit peu en sous-brillance. Ok, je peux faire mon Y, je vais attendre le bon moment. Pas mal, pas mal, pas mal. C'est deg, hein. Transformé en grippin, moi. Je prends la vie. On est bien, on est bien. Là, je mets un petit coup pour rappeler au jeu que non, tu te régènes pas. Oh, je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça, il s'était arrêté. Il a tapé, il s'est arrêté. Je me suis dit bon, j'ai un peu de temps, je pensais qu'il était un peu en mode ah j'arrive pas à retirer mon arme, et là d'un coup il tombait sur coup. Bon, vous avez vu, là j'ai peut-être pas besoin de décrire ce qui vient absolument de se passer tout de suite, immédiatement, mais c'était pour partager. Ok. Non, je déconne. Je déconne pas en fait. Son épée aussi là? Ouais. Après, il y a peut-être un coup que j'ai, un combo ou un coup que j'ai pas encore. C'est possible. Je sais pas. I don't know. Tiens, beaucoup mieux que moi. T'as toujours cette impression quand on est sur un stream de quelqu'un, mais je te promets que non. Enfin, on a toujours cette impression. Sauf quand on a quelqu'un qui se la pète et qu'on dit « Oh ouais, alors on fait pas comme ça !» Emoji clin d'œil. Mais on fait comme ça. Je dis ça, je dis rien. Pardon, excusez-moi, ça me fait petit reminder de... des gens qui... qui viennent d'apprendre à jouer. Mais voilà, à moins qu'on soit ce genre de personnalité, en général, on peut avoir l'impression de moins bien s'en sortir. Ah, t'inquiète, hein. Non, mais voilà, je me prends déjà tout gros tout. On va. Une portée négative aussi. Ouais, faut vraiment... Et si je parais, j'ai voulu tester tout à l'heure, mais c'est pas fameux. Oh, j'ai rien fait, j'ai déjà besoin d'utiliser une popo, c'est pas cool.
J'ai pas bien commencé là. Je pense que c'est Dedge. Non, parer, c'est peut-être pas la solution là. Ah, c'est un déboucheur de fiottes. Oui, c'est vrai. T'as tout à fait raison au-dessus de sa tête. Bon, on apprend. On teste des trucs vu que là, c'est Dedge. Essaye de parer au bon moment, tiens. Ça fait quelque chose ou pas? Non, je pense que les attaques rouges, je peux pas les parer. Elles sont imparables. Dans ma gueule. Mais... je pense que les attaques pas rouges, si j'ai une parade parfaite, peut-être qu'il y a moyen que je ne prenne pas de dégâts du tout. Une portée négative, c'est quand tu frappes le mob devant toi et que tu touches celui de derrière. Avec ton coude. J'aime beaucoup l'image. On peut résumer ça un boss de merde. Je pense qu'on a connu pire en vrai, ça, bon, sur Elden. Et je remarque un truc, c'est que les runes nous sont rendues avant qu'on rentre dans la salle du boss. Je trouve que c'est vachement sympa. Voilà, c'est sympa, honnêtement. C'est gentil. Là, ils nous rendent nos runes. Merci. Ok. Non mais vraiment. Putain, faut pas que je fasse ça. C'est trop risqué. Je vais arrêter de faire deux coups à ce moment-là. C'est pourri. Là par contre j'aurais tué. Dommage. Je suis trop lente. Alors référence très précise, mais la musique me fait penser à une musique qu'il y a dans Princesse Mononoke. Quand je sais plus comment il s'appelle, étonnamment aujourd'hui j'ai oublié tous les noms. Koloku je crois. Un gars en tout cas dans le village de Dame Eboshi, Egoshi, raconte comment s'est passé l'affrontement avec le sanglier, il y a cette musique là. Voilà. Timothée Chalamet ? Timothée Chalamet. Non mais vraiment, j'essaie de vous faire écouter tout à l'heure. Retenez bien la musique, ça lui fait grave penser. Non, mais c'est dur de retenir la musique, surtout qu'il y a plein de bruitages derrière là. Je sais pas comment esquiver ça. Bah forcément en arrière en fait. Faut pas que j'esquive de côté parce qu'il tourne autour de lui. Non mais sauf que là, j'ai plus de place, je peux plus esquiver là au bout d'un moment, hein. Ok le jeu. Non, j'ai pourtant reculé de fou là. Oh non, je savais pas qu'il se relevait aussi vite, il s'est jamais relevé aussi vite. On va y arriver. Probablement.
peux pas faire un truc avec ton bras en acier. Bah là je vais tenter, mais par exemple, à chaque fois que j'ai essayé, ça fait rien. Genre... Non. Oh, ça marche bien en fait. Je sais pas, à chaque fois je me faisais tellement éclater ma gueule en le faisant. Je vais essayer alors. Impossible parce qu'il y a un ennemi à proximité, mais dis donc. Ça vide la barre. Hein ? Ah ouais. C'est combien ? J'ai 123. C'est pas assez, hein. Un truc qui se charge, tu laisses appuyer. Bah je sais pas en fait. Il y a plutôt des trucs qui se déchargent, j'ai envie de dire. Non mais c'est chiant en fait, je voulais pas du tout faire ça. Oh, elle me défonce. En fait je teste en même temps mes coups. Je vais bien sûr retourner au truc. Là, je peux recharger la barre en faisant un truc avec mon bras justement. Là je peux maintenant monter le niveau d'un truc ou pas? Non je pense pas. Ergo insuffisant. Rester là-bas. C'est vrai que j'ai l'impression de pas connaître tous les coups. Mais bon, bah ça, y a pas de vrai tuto quoi. C'est plutôt une zone où tu dois tester des trucs. Un tuto. Ok. Non ! Je viens d'utiliser une popo sans faire exprès, évidemment. Bah non, mais là je peux pas le tenter. Sans trois popos, ça va être compliqué. C'est faisable, hein, mais ça va être compliqué. Oui, quelque chose. Des suggestions. Du coup, je te bute. Vas-y, retourne. Pardon. Pour la démo, ça aurait été mignon d'en mettre un proche aussi. C'est pas grave. Ok, montez niveau, on veut le faire. Je vais monter en vita. Mais pire touche. Finaise, on peut sauter dans le jeu. Il faut courir et appuyer sur le bouton du stick. On est logique, c'est du stick gauche. Faut courir et là j'appuie sur stick gauche. Non mais horrible, jamais je ferai ça de ma life en fait. Ça nique les doigts de faire ça. Je remonte la barre du bras avec une compétence du bras. J'ai pas compris. Bah en fait je sais que ma barre à droite... Non! Je la remonte avec ça. Je sais pas à quoi ça correspond, mais voilà. Tout ce que je peux te dire. Est-ce que tu découvres comment ça croupit? J'ai tout essayé, j'ai pas réussi! Après, je peux acheter des trucs au vendeur, je crois. Hein. Je l'ai pas fait. Out here alone. C'est quoi ça? Accumulateur à lancer. Abrasif de décharge électrique. Imprègne temporairement une arme avec une décharge électrique. Oh, ça peut être sympa ça. Ou une autre épée.
Est-ce qu'on peut comparer? Non mais je veux comparer, ah, c'est chiant, je veux comparer avec ce que j'ai là. Le jeu me propose d'acheter des trucs mais il me propose pas de comparer avec ce que j'ai déjà, c'est un sup. J'ai acheté l'abrasif. Ah oh, c'est fort là d'un coup non? C'est peut-être déjà fort, je vais baisser un peu. Comment j'imprègne mon truc? Hop là. Ok, on va tester. J'ai fait mal un peu. Je... Arrête! Ah! Mais esquive, connard! Je te déteste! Pourquoi t'esquives pas? Oh, je déteste. C'est risqué, j'avoue, je sais pas pourquoi je fais ça. Non mais super. On recule pas. Je peux pas en fait, là j'essaie d'esquiver mais ça voulait pas. Ça n'a pas l'air simple de récupérer assez pour acheter par contre. Bah c'est en fait je venais juste d'utiliser mes trucs. C'est qui l'acteur de Dune? Oh bah oui c'est vrai tu m'avais pas répondu. Timothée Chalamet. N'hésite pas hein. L'acteur de Dune c'est Timothée Chalamet. C'est vrai que j'ai pas fait cette phrase. Mais je venais juste de prendre un point de vitalité du coup j'avais plus de runes. Là par exemple ça me donne 40 par 47 par mob. Alors oui c'est pas rien mais bon. C'est le genre de truc qui s'accumule et une fois que t'as tué le boss, t'en as beaucoup. Mais je m'étais mis des points vita. Pour moins mourir. Ça a bien marché en tout cas. Putain! Ok, on y retourne. J'ai ceux qui n'ont pas vu parce que je fais ça très très vite. Il fallait, fallait avoir les yeux en 4K pour le remarquer tellement je fus rapide. J'ai utilisé une popo sans faire exprès. J'ai que 3 popos alors je peux pas me permettre. Alors on se tire. Il y a un son de partie. Tu l'as vu? Au point de vita, la meuf qui queen. je connais que sa chanson. Je connais que la version de Fatal Bazooka, de la chanson qu'elle a faite avec James au niveau Vita, donc où j'allais enchanter mais ça commençait par Fatal, donc c'était pas bon. C'est voilà, j'ai pas du tout là, pas du tout de rêve. Oh j'aurais dû prendre un truc pour des éclairs, des trucs comme ça. Mais oui non mais j'ai pas assez. Oh punaise, il m'a mal visé heureusement. Ok, là je fais Y. Oh, bel enchaînement, non?
C'est chez moi de tout voter. Ah non, il m'a tapé, il m'a tapé, il m'a tapé, il m'a tapé. C'est un peu prématuré de me soigner, mais bon. Je me rends compte qu'on entend vachement la manette au micro parce que... Putain, allez, recule, espèce de tas de merde. Pardon, pardon, c'est pas tas de merde, c'est... Timothée Chalamet. J'ai l'impression qu'on entend vachement la manette. Et je sais plus, il y a quelques... Je sais plus quand, quelques jours, j'ai regardé... un stream... Et on entendait absolument tous les bruits de souris de la personne. Ça m'a saoulé de ouf. Mais vraiment. Et du coup, je me suis dit, bon, ça rend ouf. Moi, je trouve. Entendre des bruits de souris pendant tout un live, ça rend un peu ouf. Du coup, j'essaie de faire gaffe avec la manette. J'étais trop lent. Recule. Ah, fais chier, j'ai mal reculé. Insupportable de bruit de souris, ça flash, c'est bon, pardon. Vous entendez pas souvent ma souris normalement. Vous l'entendez pas souvent. Ça peut arriver, mais ça va. Depuis que je play à Genshin, j'ai le bouton A de la manette qui est fébrile. C'est le spam pour les dialogues. Oh, putain, je comprends. Je joue au clavier, hein. Ouais. Non, fais chier. De toute façon, on est obligé de le refaire. Hop là, allez, on y retourne. Un autoclic. Ah, pas con. Mais oui, mais un autoclic sur la... Ça existe sur les manettes? Oh, j'imagine. Question chelou. Je vais arriver, hein. On va recommencer. Je veux pas... En fait, je veux pas perdre de la vie maintenant. On entend que ça, mais par politesse, on dirait... Tu parles. Tu parles quand mon micro s'est mis à grésiller. Il a fallu 3 lives pour qu'on m'en parle et j'ai posé plusieurs fois la question pendant ces 3 jours en disant oui, mon micro grésille ou pas, parce que j'ai l'impression qu'il grésille machin. Et tout le monde est en mode oh non, j'entends rien, non, rien du tout. Donc 0-1. Et il y a quelqu'un qui l'a dit ton micro il grésille. Bah c'était Jilo, je crois. Streameuse, forcément, du coup elle en remarque. Du coup, ah, c'est bien ce que je me disais. Donc je te crois zéro. Je te crois zéro, dude. Hello, Crimi. BR Crimi. Bru Crimi. Hey, Crimi, tu trouves pas que l'acteur... tu trouves pas que le personnage principal ressemble à l'acteur de Dune? Dune? Pas Dune. Dune. Out here alone. Je vais acheter encore du bzit. J'achète un. Allez, je suis prête là. Oh, je suis prête là. Putain, je me suis trop fait tout, j'ai envie de chialer. C'est pathétique, hein, qui va. Je me suis trop fait tout, je
c'est pas X. Ah bah non, faut que je descende et après je fais X. Envie de chialer en fait. June, je connais pas. Non, June. Mais je sais pas pourquoi j'ai prononcé ça comme ça. June. You know the actor of June? Non mais vas-y, fais-toi éclater, dude. Désolé. Hein. Désolé, Timo, mais. Mais je le vise pas aussi. J'ai très mal commencé. Hein. Je crois que je vais me laisser crever. Hein. Ouais, je vais me laisser die, je crois. J'aurais dû garder mon ulti pour plus tard, vu que là je vais complètement mourir. C'est dommage. J'ai une popo, elle régène. Super, comme ça je peux remourir. C'est vrai qu'il y a un temps de régène. Attends, je cours un petit peu. Là j'ai un peu peur là. Nickel. Nickel. Ça se passe comme sur des rollers. Objectif tout paré. Mais voilà, je me demandais, est-ce que t'as un avantage si tu fais par exemple une parade parfaite, ou juste bah tu pars et tu... Alors j'ai cru comprendre que tu perdais de la vie mais qu'elle remontait. Comme sur quoi? Coupé? J'ai pas compris. Là il était quasi parfait non Vendolt? Quasi parfait, pas tout à fait. Oui tu as un avantage. Ah! J'ai pas trop osé tester. Ah! Ça peut être intéressant en vrai. Parce que ça demande pas mal d'endu. Quoique pareil, ça doit demander pas mal d'endu aussi. I don't know. Encore un décalage quasiment parfait. Bug le 4. Pourquoi il bug? Bah parfois il peut y avoir un petit souci d'affichage. Entre le fait que le bot doive détecter et afficher le truc, ça passe par un site tiers, enfin voilà. Je pense que le rouge, par contre, je peux pas... Quand il est en rouge comme ça, je peux peut-être pas parer. Je sais pas. Hein. Mais je vais essayer de parer un peu. Je pense à faire des parades parfaites. C'est des PV rouges, ouais. Mais on est d'accord que tu repères pas plus que ce que tu vois en sous-brillance un peu. Je teste un peu la parade. Je pars ici. C'est plus intéressant de faire une parade par exemple quand il fait ça. Parce qu'au moins tu le maraves dès qu'il est au sol. Oh, je parais sûr. Hein. De gouttes. J'essaie. I tried. Du coup, quand il est en rouge, il faut vraiment une parade parfaite. Ouais, sinon, tu prends très cher. Oh, cow. Il est dur, hein. Très intéressant, mais dur. C'est vraiment un Souls, c'est dommage. J'ai pas la patience pour les Souls, moi. Par contre, l'univers, je le trouve trop stylé. Et les mobs et tout, je les trouve trop stylés aussi, c'est dommage. Utilise ton sort pour boost ton arme. Et un sort pour boost mon arme? De quoi? Le jeu il m'a pas appris ça hein. Oh dégage toi. Dégage. LB plus Y.
Non, ça va utiliser mon truc. Non, attends. Oui, ça va, mais ça va utiliser. Non, je vais tester. Non, ça fait rien. Non, ça fait rien. Ça fait rien. Non, ça LB1. Oui, c'est left button. Oh fuck. Mais LB plus Y c'est utiliser mon ulti, c'est pas un boost. Normal, tu n'as pas de barre. Effectivement. Effectivement, je suis une femme. Et alors? Je rigolais, ça va. Salut Elena! Oh, j'ai essayé de parer mais j'ai pas réussi là. J'ai du mal à comprendre le timing de l'animation de parade. Y ton ult, tu as un autre sort, LV plus Y. Ok, j'avais peur que ce soit mon ult. Devenir rouge et utiliser une attaque puissante appelée attaque furieuse. Vous ne pouvez ni esquiver ni utiliser une garde contre des attaques. Mais une charge parfaite peut les contrer. Une garde parfaite. Oui, d'accord, regarde. Okay. Après, ça peut s'esquiver totalement en vrai. Hein. Non, je me tire en. Hein. 8 heures pour finir la démo. Oh, ouais, d'accord. Oh merde. J'ai pris des dégâts. Je pensais que j'aurais terminé à ce boss en vrai. C'est cool. Il y a du contenu. J'ai pas ce qu'il faut, ok. Pas d'argent. Bon, on va y aller avec un peu de vie en moins. C'est pas grave, on n'est pas à ça près. Pas à ça près parce que de toute façon, on n'y arrive pas. Ok. Donc ça booste mon arme. T'es sûr? Ah, j'ai essayé. Il n'a pas utilisé. Mais je fais Y. Enfin voilà, je peux. Je sais pas, je fais la touche qui est indiquée en fait. Quand on sont beaucoup aux jeux vampires, je trouve. Je l'ai pas du tout fait, donc je peux pas trop le dire, mais en tout cas, ça me fait penser, oui, effectivement, une ambiance un peu victorienne et tout qu'on peut retrouver dans pas mal de jeux finalement. Et j'aime beaucoup. Ça stylax, c'est trop cher. Je me tire.
Voilà. GG, merci. Merci. Le fait qu'il te frappe avec sa tête me tue chaque fois. Ouais, c'est rigolo. Les animations sont rigolotes, j'avoue. Bravo, merci. J'ai gagné. Oui, effectivement. J'ai plus de vie, j'ai plus rien. GG, oh, merci, merci le chat, merci. Je vois pas des alertes. Point d'exclamation pro. Tu peux faire point d'exclamation commande si tu veux. J'ai tout mis, normalement. ah merde, j'ai peut-être mis un S à commande. C'est possible. C'est possible. J'ai combien de runes? J'en ai pas mal. J'ai peur qu'il y ait pas de trucs. Oh, si on avance, on voit. Point d'exclamation commande du Burrit. D'accord, en témoigne. Y'a pas... Ah bah oui, y'a pas commande du Burrit, oui. J'aime bien, alors je te conseille Vampire. Il est pas trop vieux, Vampire? Parce que moi j'ai un peu du mal avec les esthétiques un peu datées. Mais oui, j'aime beaucoup l'univers, effectivement. L'esthétique et tout en plus qui est donné, j'aime beaucoup les mobs. Hein, c'est stylé. Bon, j'avance alors que en vrai, j'aurais dû retourner au feu. Mais j'étais sûre qu'on en aurait un après. Au feu sacré là. Bon. Sans coup de vent, j'ai dit que c'est Gaël en rangeant mon PC. Mais je suis curieuse de savoir s'il est bien, Lies of P. Bah, c'est très Elden Ring. Hein. Enfin, voilà, moi je dis Elden Ring parce que c'est ma référence en Souls, parce que j'ai pas trop joué aux autres Souls. Pas du tout, même. Mais du coup, c'est vraiment un Dark Souls avec l'univers de... Un univers différent, des mobs différents, et tout ça, un monde différent. C'est pas de l'open world. Mais sinon, si t'as joué à un Souls, tu seras pas dépaysé du tout. Les commandes sont exactement les mêmes. Le système est exactement les mêmes. Même la police de caractère, le menu est le même. Donc voilà. Après, c'est pas un défaut, c'est que je m'y attendais pas. Je pensais que c'était plus un jeu aventure. Je m'étais pas trop renseigné sur le jeu, j'avais juste vu des bandes annonces. Et moi, j'ai pas super patience pour les Souls, mais bon, quand même sympathique. Cœur du grand contrat. Trouvez votre identité. Un Souls-like, tout à fait. Rien de plus original. Finalement, non. Je pensais, mais finalement, non. Il est super, enfin, je le trouve magnifique. Ok. Bah, je vois où ça durait alors. Bah, moi, je suis un humain, moi. Une marionnette ne peut pas mentir. Bah. Ce dont j'avais peur, c'est un peu dommage, hein. Bisous, hémoglobine d'art, et très bonne nuit à toi. Ouvre la porte, oui. Ouvre donc cette porte. Lies of P. Je vois peut-être encore un peu plus tard des bisous. Ça marche, Booba, des bisous, bon rangement. Ok, donc elle s'arrête pas là, la démo. C'est là que c'est la meilleure. Oh, ça, on le sait. On continue un peu, hein. Merci, Booba. On va continuer un peu, mais après cette cinématique. Je cache ma gueule. Oh! Une vraie cinématique en plus, parce qu'on en a pas eu jusqu'à présent. On a joué tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? I am Sophia. Ah. I've been waiting for you. Oh là là, oh, la sensi. All over the city of Crop to find you. C'est parce que je suis en cinématique, c'est pour ça, je pense. You must have questions. J'ai des questions. Geppetto. Geppetto saura y répondre. But we have to find him first. Effectivement, chat Geppetto, il saura répondre à nos questions. All of Crot is dangerous for humans,
And that neighborhood is one of the scariest. Ça la met à la gueule qui part en couille. Qui ça, qui ça? Timothée Chalamet. Please find Geppetto on Elysian Boulevard. I'll explain more once you find him. Wait. Take this pocket watch. Krat is a labyrinth of peril right now. Il y en a bien plein, eux. C'est con qu'on guidera enfin une map. Be careful. Enfin. Clever one. Ça marche. Let's go. Des bisous, VOD. C'était la démo. Je vais peut-être continuer un peu. On verra, mais peut-être pas faire de VOD. Des bisous. Bye bye.